Fou d'amour, chérie, fou d'amour. Ah, monsieur, parlez comme moi, à fou d'amour, là. Ah, bah, m'vaut 100 piastres. Merci, belle monsieur. M'attends nous demain dans la même place, là, encore. Avantage pour ma chaîne, désavantage pour mes femmes. Madame, ça va chercher dans les combien? $200, c'est pas trop cher, hein? $200, c'est une petite fortune, madame. Excusez-moi, mon ange. Quelle beauté, Seigneur! Si sa mère n'était pas là, monsieur. Quelle beauté, Seigneur! Elle est belle, jeune et propriétaire. Dis-moi, beauté, tu n'as pas de mari?
$150 US. Quoi? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici venir la vedette de la soirée, Madame Cupidon. Elle fête aujourd'hui ses 83 ans. Applaudissez, s'il vous plaît. À monter sur scène. Applaudissez. Se trouve dans tous les cœurs, les astres du firmament s'unissent pour te dire bonne fête, maman. Comment oublier ces nuits de douleur, à bercer un enfant toujours en pleurs, la terre, étoile et diamant. Thank you.
belles paroles pour bluffer. Mais y'a un monde qui connaît que c'est sincérité qui a vraie liberté. Donc oui, bon, ça m'y cette rencontre a émergé plein de souvenirs. Les randonnées à la plage avec nos parents, les contes que nous racontait grand-mère. Et plus près de nous encore, cette chanson que je te chantais pour te bercer au cœur de la nuit. Et ton père qui bavait de colère en m'écoutant chanter. C'est vrai, j'ai oublié la chanson. Tu veux me la chanter? Mais wow, procéder. Sont différents, oh, même s'ils sont au même temps. Je les ai vus et les contempler sans avoir droit de la toucher. Je les ai vus et les contempler sans avoir droit. De la toucher. C'est le refrain. Mais belle, parle-moi de toi. Revoici mon chéri. Tu as brillé à la fête par ton absence. Beaucoup d'invités se paradaient au salon. Quant à moi, tout le monde me mangeait les yeux. Comment? Tu ne réponds pas? Il faut convenir que tu étais au courant de notre sortie. Je t'en supplie. Fais-moi une bise. J'en ai marre! J'en ai marre! Je n'ai jamais souvenir d'avoir eu un jour de bonheur avec toi. Tu es un tison! Je te hais! Excuse-moi de ce retard, papa. J'ai été retenu par Annie. Qu'en est-il, papa? Qui a-t-il, mamie? J'ai été moi aussi en proie à ces mêmes désappointements. De la fête, mamie. Qu'en dis-tu? Extraordinaire. Je profite de cette occasion pour te féliciter. Car malgré ton âge, tu as été le point de mire de tous. Tu me connais, ma chère. Qu'est-ce qu'elle te chuchotait à l'oreille, mamie? Qui? Petite cachotière. Le jeune homme. Il me courtisait. Quoi? Qu'est-ce que tu as le tout pas de dire? Je t'en supplie, papy. Agis avec plus de douceur. Ferme ta gueule, vermine. Ferme ta gueule. Que t'a-t-il dit, le jeune homme? Que t'a-t-il dit? Il m'a dit que je dois faire fi de tout ce qui me complique la vie. Et de ne me jamais laisser vilipender par des hommes de mauvais aloi. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a rendu si vite l'audition? Je te croyais sourd tout à l'heure. Je suis libre de perdre l'audition à n'importe quel moment. Et c'est aussi mon droit. C'est mon droit de la retrouver quand des vipères pensent pouvoir blesser un homme prestigieux. Oh ciel! Pourquoi les tonneaux vides font-ils toujours du bruit? Dieu seul sait pourquoi tu as une dent surnuméraire. Cette impertinence, tu ne l'as pas achetée, tu l'as héritée de tes parents. Tu es le prototype de la loquacité féminine. J'en ai plein le dos. Si je suis Péronelle, toi, tu es savant. Quelle gloire, mon Dieu, de m'avoir donné pour mari un savant qui ne m'invente que des mensonges. Merci, mon Dieu, pour ce choix. Magnifiquement mauvais. Écoute-moi bien. Il y a une chose dans la vie pour laquelle j'exige de tout le monde le plus grand respect. C'est ma personnalité. Tu viens de la blesser et dans ce cas, aucune force ne peut m'empêcher de te mettre à la porte. Pas possible, papa! Pas possible! Allez, l'unja bintil roule. Voilà où les soldats. Au lieu de partir de mes pour la province, pars maintenant. Il est plus que minuit, papa! Voyons, papa! Tu ne peux pas briser ton foyer pour une petite. Ta vie en dépend. La décision de Paul Chico est irrévocable. Tu agis au préjudice de ta fille aussi. Comment est-ce que je pourrais vivre une mamie? Réfléchis, papa. La décision de Paul Chico est irrévocable. Tu me suis, ma fille? Comme ton homme. Comme ton homme. Comment, mes belles? Tu veux réellement partir? La décision de Mébel est irrévocable. Va-t'en toi aussi. Tu es le portrait craché de ta mère. كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكاو لك ما تزيد ما تنقص من عندك كاين شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان كان يا ما كان عجيت ناجيت دينا بعيد وبنا نفر ونسل عجيب باشر لبي مجيب قرب مجيب لبي J'ai pas besoin d'âme contendant. Chante ou dame en feu pour vous envoyer dans les bras de mon frère. Car avec cette âme, je peux vous écrabouiller, déchiqueter en une seconde. Quelque temps.
tour de rêve de ma pareilleur. Comment pensez-vous? Plus de capote. Les capotes sont terminées. Oh non, Max. On ne capote point de l'eau. Pas de l'amour. Pas de... Vous avez la chance. Car ça capote. No way. Oh nuit, dis-moi pourquoi l'on est obligé de se séparer quand on s'était aimé. Pourquoi l'on doit souvent recommencer l'œuvre que l'on croyait presque achevée. Pourquoi le mal doit venir comme une tempête pour briser l'édifice que l'on croyait bâtir sur le solide soubassement. Le mal n'a pas d'horaire, frappe à n'importe quelle heure sans considérer la couleur. On me l'a toujours dit, mais je ne savais pas qu'il pouvait tourmenter les gens et assombrir le temps. Faites-vous là, mesdames. Je peux vous déposer? Comment se fait-il que vous soyez là à cette heure? Vous n'avez pas peur du diable? Le diable, c'est vous? Non. Je suis Steven, de notre famille, c'est Blue. Et vous? Betsabi, ma fille, c'est Mabel. Compliment, madame. Votre robe donne de jolies fouilles. Je vais vous déposer. Merci, monsieur. Y a personne? Y a personne. Monsieur Jou à Léonie. Je me génie de longue main à trouver la maison de Monsieur Paul Chico. Auriez-vous l'obligeance de me la montrer? Vous cherchez la maison de Paul Chico? Paul Chico. Ah bon, Paul Chico? Allez tout droit. Et après 100 mètres de marche, vous tournerez à droite et à gauche, puis à gauche et à droite. La maison de Paul Chico sera sur le droite. Merci infiniment, monsieur. Bonjour, monsieur. Puis-je voir mes belles? Qui êtes-vous? Daryl, le fils de monsieur Daryl Legrand. Daryl Legrand. Me vois. Quelle est votre profession? Aucune, pour le moment, monsieur. Pour le moment. Foutez-vous dehors.
l'autre jour a été stupide. À 50 mètres, j'étais déjà en pleine mer. Hé alors? Vous m'aviez dit 100 mètres. Non, des chiens. Vous me rendez la vie impossible. Que voulez-vous que je fasse? Pourquoi cherchez-vous votre poil Chico ici, de ma maison? Cherchez-le ailleurs. Que veut dire à Madame Paul Chico qui m'attend avec impatience? Ma femme? Cher monsieur! Excusez! Ne partez pas si vite! Asseyez-vous au moins! Asseyez-vous! Vous auriez dû le faire sans même demander! Allô? Tu ne fais que penser à elle, Chico. Chaque pas de ses pas est un pas de mes pas. C'est comme un trésor perdu que j'ai retrouvé. Mais le grand problème, c'est son père. Eh bien, Paul Chico, c'est moi. Quoi? Vous êtes réellement Paul Chico? Pourquoi m'aviez-vous menti? Parce que vous n'aviez pas précisé l'objet de votre présence. Où sont ma femme et ma fille? Vous devez me démontrer par des preuves patentes que vous êtes réellement Paul Chico. Mais pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Parce que la dernière fois, vous m'aviez donné la bonne adresse. Tenez. La nouvelle? Elle vous fait dire de lui envoyer l'acte de divorce sans tarder. Sabé, mon amour. Mon déjeuner, mon café, ma lessive, il va me les faire. Puis, je suis foutu. Je suis comme un célibataire flanqué dans un coin avec sa douleur. Oh Dieu, omniscient, omnipotent, pourquoi en faisant cette bévue, vous ne m'aviez pas coupé la langue? Vous auriez dû me retenir. Vous auriez dû me retenir. Mon cœur est au creux de souffrance. Je n'ai personne pour me réconforter. Personne, personne. La jalousie vieillit, tu sais. Je ne suis pas jaloux. J'ai des principes. Sois plus jovial, Polo. La vie elle-même, c'est la cohabitation des contraires. Rire et pleurer. La vie et la mort. Le bien et le mal, etc. Les plans pour se développer cherchent la chaleur du soleil et la fraîcheur de la pluie.
L'homme doit souffrir, tu sais. Car la douleur est un moule par où il doit coûte que coûte passer pour devenir apte à comprendre les vicissitudes de la vie. Tu es réconfortante, madame Dubaine. Tu es réconfortante. Tu es seule, Polo. Je t'enverrai une servante. Non, laisse-moi avec ma solitude. Je t'en prie, laisse-moi avec ma solitude. Petits enfants du bon Dieu, vous aviez vu passer ma femme? Je n'entends pas, monsieur, parce que mes oreilles n'entendent que le son de la monnaie. Cling, 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 et puis, allez plus fort. Est-ce que vous aviez vu passer ma femme? Moi, votre femme? Oh! Femme, F-E-M-M-E. Imbécile. Mais monsieur, ne vous fâchez pas. Mademoiselle, vous aviez vu passer ma femme par ici. Moins voulez, madame, moins. Je veux ma femme. I want my wife. Quiero mi querida. J'aimerais bien le dire dans toutes les langues du monde. De telle sorte que les passants qui me croisent sachent que dans cette cage thoracique, il y a un petit cœur qui saigne, qui se vide de tout son sang et que seule la présence de cet être cher pourrait stopper cette violente hémorragie. Paul Chico, prends soin de toi. Madame. Moi, bon li, je vais gagner net. Monsieur, tant pis. Dis-moi ça qui est là. M'ba ouais bien, sous tes cataractes. M'ba ouais bien, madame, si tu peux comprendre. Vete. Son pays a vingt. Faut pas te rater, ma dégage. Merci. Je parle le taxi. Vous allez Wilbert. Eh mais, touchez Wilbert. Mettez madame. Il manque deux gouttes. Bon ici là, c'est couche d'oublier. Je ne vais pas l'autre top pour couche d'oublier. Fais bac et tire pour deux gouttes. Descends madame. Égaré. Faites descendre. J'ai pété. C'est M. Paul Chico? Moi, c'est Nicolène. Enchanté, Nicolène. Bam fait noir, moi. Bam la caroute, moi, souple. Bam fait noir, moi. Bam. Hep, hep. Qui es-tu? Qui es-tu donc? Qui es-tu?
qui est si. Ça veut dire qui mounouye? Qui moun qui voye ou? Ah! C'est madame Zigari qui voye me travailler. L'idée, pour me faire tout travail pour vous. Moi, c'est un beau travail. Travail ou à fait à l'aise, à l'aise. Parce que ça fait chaque côté me passer, comme aller, tout le monde crie. Bon, il y a une semaine ici, pour qu'elle a changé. Pour ça faire manger, côté me faire manger, c'est balévé. Et puis tout! Moi, je suis de toutes couleurs. Marron, rouge, blé, vert. Vous pouvez tellement changer la situation, pas bonne augmentation. De plus. Mais tu parles sans arrêt. Là, il y a une batterie ou une pile? Non, je ne pas manger en pile. Votre femme me gagne, vas-y. Il va dépasser son timon, me dit. Viens. Ça, c'est coupé douette. Oh, monsieur. Pourquoi gardez-moi comme ça? Mes amis, vous faites tout somme de ça. Mais la nourriture a trop de sel. Oui, c'est moi seul. Pas de monde qui aide le fait. Oui, monsieur. Moi, j'ai pour moi son jouet. T'as pu me mettre, mais c'est coupé de Nicolène, tu dois faire plus d'efforts. Yo dis ça, oui. C'est pas d'effort, m'bah fort. Allô? À qui est-ce l'honneur de parler? Moi? Moi, c'est le nom ou le prénom, mademoiselle? Cathy? C'est incroyable, mon Dieu. Mais depuis quand tu es au pays? Combien d'enfants que j'ai? Une seule petite vermine. Ma femme, cette vipère est partie à la conquête de nouveaux horizons. Mais mon horizon, c'est toi, chérie, tu le sais. Tu viens? D'accord, je t'attends. Nicolène! Nicolène! Dans ce souci. Écoute bien ce que je vais te dire. Une fleur va venir m'honorer de sa visite. Tu comprends? Oui. Yon bouquet fleur qui sort. Oui, c'est honoré. Fleur, cela veut dire une jolie demoiselle. On me comprend. Qui ça me fait, monsieur? Prépare la maison. Oh, Cathy.
Viens puiser à la source le miel que tu as toujours aimé et du même coup cicatriser cette plaie que Bitsabé a fait naître dans mon cœur. Qu'est-ce que tu dis? Non, nous il faut me faire vite parce qu'on va avoir une visite plus vite. Elle m'entraîne dans l'oubli de ce rêve qui s'enfuit, triste grève de ma vie. Elle était mon amie, elle était mon amant, notre amour au gré du gré longtemps. Mais le temps a voulu qu'elle s'en aille un beau jour à la conquête d'un autre amour. J'ai pleuré toute la nuit et j'ai sombré dans l'ennui. La nuit. Je l'aime éperdument, Nicolène. Où passez-moi mon tour? Ah, j'ai misère. Pourquoi? Je dormirai là sur le sol. Là. Sol là? Si ton fort mal. Ma bédé. Écoute bien ce que je vais te dire. La petite demoiselle va venir ici. À son arrivée, tu prépares le vin et tu ne feras ton apparition qu'au battement des mains. Tap, tap. C'est compris. Si je me comprends, c'est péché. Parce que tout ça me dit, c'est vérité. Français facile. Mais que tu montes et descends. Tu me l'as créé plutôt. C'est un bagage facile, ça bagage mystère. Quand on sonne, on va entrer et on va venir servir du vin. On va dire bonjour, manzé Kati. Et puis, on va dire rien. Tap, tap. On comprend, monsieur. Kati, mon amour. Kati, mon amour. Kati, ma chérie. Kak. Pour n'en cas, nous n'en cas. N'am nage pour me plonger. Rédé. Alex, sauvage, mon père. Bonjour, mon Zakati. Frété. Ma chakati mini, je viens servir mon Zakati et puis mon Zakati parti. Où t'es dans le mbédi tap tap? Tu dois entendre ça tap tap. Où t'es dit, où t'es comprendre? Kati, mon amour. Kati, ma chérie. Kati, mon amour. Kati, ma chérie. Ka. Pouki.
Qu'as-tu, ma chérie? Qu'as-tu, mon amour? Qu'as-tu, ma chérie? Qu'as-tu, mon amour? Mon absence t'a changé du tout au tout. Jamais je n'avais l'habitude de te voir aussi beau. Mais je m'attendais à ce retour. Je m'attendais à ce grand retour. Tu es mes griots, Thierry. Mais où est mes belles? Elle reste au dehors. Elle tremble que tu me l'injures. Mes belles! Mes belles! Oh, papy, pardonne-moi. Pardonne-moi à toi qui, dès ma naissance, t'es évertué à me donner le pain de l'instruction. Je t'assure que je viens à récipiscence. Je te pardonne, ma fille. Oh, papy, comme tu m'as manqué. Bonjour, Mme Zakati. Cathy? Elle a dit Cathy? Tu as dit Cathy? Wete. Oubliez, monsieur. Tap tap. Tap tap. Mais qu'est-ce que ça veut dire tap tap? Son mari. Son mari est chauffeur. Chauffeur de tap-tap. Paul Chico, c'est moi qui t'avais appelé. Mais ta voix n'est pas si compliquée que cela au point de ne pouvoir la distinguer des autres du premier coup. Mais je savais que c'était toi. Bon. Et si on fêtait ce grand retour? Voilà, Vinci. Longtemps, nous te rachèmes de couper. On y a même pour toi, m'a gagné. Ça que passe, Nicolène? Eh bien, femme n'est pointé. Au compte femme, c'est dans chaque irène. Mais mes îles, pour mener ma chère, il bon, y a un grave taille. Pas que moi, je me fais coutaille. Y'a pas payé au vétail? Eh bien, si pas que au vétail, à coutaille, c'est esclavage. C'est pas travail. Je vais arrêter, non? Je vais aller marcher. Tu Will. Chérie. De temps en temps, il faut passer. Parce que les mecs qui ont caressé. Je suis une boîte pour me voler. Okay.
Ou pas besoin de faire venir, non? Là, venir. Dis-nous que même tonton, qui donc, tes cousins jamais, et puis. Vous comprenez? Quelle surprise! Attends, mes belles. Prends de préférence la place de ton ami. Pourquoi ce changement, papa? L'enfant, pour lui, ne demande jamais le pourquoi des choses. Maintenant, je vous écoute, monsieur. Cela concerne mon cœur. Comment? Vous êtes cardiaque? Voyez le médecin. Je vous le dis. Vous avez raison, monsieur, mais ce médecin peut se passer de drogue pour augmenter la puissance de ce cœur. Un simple regard, une simple considération et tout sera rétabli. Dans ce cas, voyez le magicien. Pour tout dire, je viens vous mettre au courant de l'amour enfiévré que j'éprouve pour votre fille. Ici, chez moi, même l'amour argenté se heurte à certaines exigences. Faites-moi grâce de vos ironies, monsieur. Je ne suis pas le seul à décider. Il m'en a déjà parlé. Es-tu d'accord? J'attendais la décision avant de me prononcer. Et toi, mes belles, qu'en dis-tu? Moi aussi. Et j'attendais ta décision avant de me prononcer, n'est-ce pas, Annie? Eh bien, moi aussi, j'attends votre décision avant de me prononcer. Je ne joue pas à l'ironie pour l'eau. Bon. Je dois avoir la biographie de ses parents et son curriculum vitae. Mon père et ma mère... Je vous en prie. Je vous en prie. Pas à l'oral, mais à l'écrit. Allô? Qu'en vas-tu, ma belle? Ce n'est pas ma belle, c'est mes belles d'Aril. Mes belles, je t'ai jamais demandé pourquoi Madame Cupidon avait organisé cette fête. Je t'ai jamais demandé pourquoi tu devrais être là, et moi aussi. Parce que nous sommes tous deux amis de Madame Cupidon, voilà. Non, mes belles. C'est parce que ce soir-là, je devrais te rencontrer. Je suis fataliste, tu sais. Si quelqu'un d'autre a ton cœur pour le moment, c'est pour que tu puisses comprendre que tu as perdu ton vrai chemin. Et le seul chemin qui mène à l'amour éternel est celui que j'ai tracé pour toi avec la force de mes bras. Je t'aime, mes belles.
Et je veux une fois encore vivre dans ton décor où seuls tes yeux seraient au ciel bleu. Mais tu viens de le dire, que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et que nous allons bientôt nous marier. J'ai le courage d'attendre. J'attendrai jusqu'à la fin de mes jours. Bye, Darryl. On frappe à la porte. Parce qu'il est trop tôt pour te livrer à ce jeu mortel. N'oublie pas l'erreur de ta mère. Elle t'a conçu à 15 ans. Mais j'en ai 28, papa. Tu es toujours à la fleur de l'enfance. On aime bien à 28 ans. D'ailleurs, les hommes prennent toujours en grippe les filles frisant la trentaine. Ok. Cherche la profession du monsieur. Il ne l'a pas mise. Monsieur, est-il en mesure de t'épouser? J'en doute fort. Pourquoi, papa? Parce qu'il n'a pas de profession. Ah, ma fille, tu es loin de comprendre la vie. Car elle nous réserve tellement de surprises que chacun de nous devrait s'évertuer à posséder une chose inexpugnable. L'argent n'est rien. On peut en être dépourvu en un clin d'œil. Mais une profession est une richesse inadmissible. Je comprends, papa, mais... Mais quoi, ma chérie? Ne suis-je pas assez clair pour te faire comprendre que ce monsieur n'a plus le droit de venir ici? Quoi? Oh non! 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 Après avoir longtemps marché, sans savoir hélas où aller, après avoir longtemps pensé à celle que je pourrais aimer, j'ai vu brusquement ce matin celle qui me donnera la main. Oui, j'ai vu brusquement ce matin celle qui me donnerait la main. Mes voix possédées sont différents, même s'ils sont au même temps.
Je l'ai vu et l'ai contemplé sans avoir besoin de la toucher. Je l'ai vu et l'ai contemplé sans avoir besoin de la toucher. Au moment. Mon ami, belle, mes amis, ça, ça veut dire. Dis-moi ça, ça veut dire. Pour tout un matin et soir, vous avez souffert. Je crois qu'on est souffrance pas nourriture. Au lieu de gros sou, c'est maigrir pour maigrir. Nicolène, que veux-tu que je fasse? C'est ça. C'est pour jouer pile ou face. Ma chère, ma chère. Comment je suis regardé, Nicolène? Madame, dis-moi pardon. Je ne peux pas comprendre. C'est femme qui comprend des maquages, femme. Mais belle. Mais belle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parle. Parle. Il ne veut plus que tu mettes les pieds chez moi. Parce que, dit-il, tu n'as pas de profession. Ma seule profession. Et cet amour incommensurable que j'ai pour toi, ma chérie. Tu mens. Je sens que tu mens. Tu as une profession, pareil. Je te dis la vérité, mon amour. Avec toi où tu veux, ma vie n'est rien. C'est toi, j'ai l'essai de vie que pour toi, amour. J'ai tant si pur, écoutez ma prière, oui. Emmène-moi. Je te donne 2 secondes pour réfléchir. Si après, tu refuses toujours de me parler franc, je me suiciderai, tu entends? Je me suiciderai! Mes belles. Mes mon cœur se transforme en un chaud soleil. Parle de Salmanas, Samus. Nous avons parlé du français pour y parler. Mais quand il y a soleil, après quitter le ciel, puis venir lever sous le quai. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Nicolène? Je dis qu'il faut faire vite pour si papa a une visite. Menteuse, tu n'as pas honte? Il ne faut pas. Hey! Hey, Kebo! Il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Moi qui ne faut pas. Cesse de répliquer. Perfide. Il ne...
vin fè fò pa. E m konnen, men mon pè devan m bat ba. Bon Dje fè m konnen gason pa nan pèdi tan. Se antre, examine, epi fly. Kon gris pa. Bonjour, cher monsieur. Mes mains sont sales. Je tremble que je ne salisse les vôtres. Mais elle vous a tout expliqué, je suppose. Non, monsieur. Eh bien, je ne donnerai la main de ma fille qu'après ses études universitaires. Son cœur ne peut être esclave de son esprit. Les deux se complètent. Si la lecture nourrit l'esprit, l'amour nourrit le cœur. Son cœur n'a pas faim pour le moment. Mais que dois-je faire, monsieur? Mais tu es médecin? Oh. Mais attention, docteur. Quel crétin que je suis! Tu n'as pas l'air de cancre! À partir de maintenant, tu dois voir. Presque-moi, docteur, presque-moi. Presque-moi. Que me prescris-tu? De l'aspirine. Un comprimé 3 fois par jour. Et du repos. Qu'en dis-tu, docteur? Si tu n'es pas pressé, tu peux passer à la maison voir ma ravissante fille, mais belle. Il n'y a pas longtemps depuis que... Non, c'était pour plaisanter. Ta réponse est positive. Chauffeur, le médecin va chez moi. C'est la douce qui... Ah non, ça veut dire mon qui boit. Ah, mon pilate. Il est médecin, il est en bas, là, en bas. Vite. Attends, papa, attends. Le médecin n'a d'autre que pour fermer et ouvrir les paupières.
Attends-moi, papa. Docteur. Médecin! Oh mon Dieu, quel gloire d'avoir un fiancé médecin! Avoir une fiancée qui aime des médecins, c'est vachement sympa. Oh Steven! Docteur, Madame Dugarry a un problème. Qu'en penses-tu? On va la voir. On va la voir. Bonjour madame, quels sont vos problèmes? De la migraine, docteur. Elle me donne la sensation d'un coup de foudre. C'est une douleur électrisante, c'est ça, électrisante. La tête est normale, mais la tension est basse. Docteur, que prendre alors? De l'aspirine et du repos. De l'aspirine pour la tension haute ou basse? L'aspirine saura comment agir selon que la tension est haute ou basse.
tu es vraiment mon ami, Tchéco, tu le sens réfléchir. Quoi? Mais ça va pas la tête? Oui, je te l'ordonne. Non, Dieu ne nous a pas créés pour tuer David. Il a croisé mon chemin, Tchéco. Ne prends pas, mon fils, sur ta responsabilité, une nouvelle mort sur cette flopée de morts qui pourrissent dans tous les fossés du monde. Moi, le Seigneur des armées, j'ai vu perpétrer sous mes yeux des crimes insensés. Pourtant, si le crime libère le cœur, il emprisonne la conscience. Sers-toi de ton arme, mon fils, la parole. Avec elle, tu peux rebâtir en un tour de main un monde émietté. Que ton arme se transforme en lumière. Que ton arme se transforme en lumière. Que ton arme se transforme en lumière. Pour ta victoire sur le noir, mon fils. Mon sou kabon mou. Sa fè ou kalalou. Kile na kousa ti win. Fè lan mou sou kabon di a fò reti. Fon gen ajan ti win. Nèpòt ki jan, fon gen ajan. Ou di l'ajan nèpòt ki jan? Non, Nikolen. Mpa la dan. Pa kouri tan kou liev, chéri. Tro presse, pa fè jou louvi. Pi tou fè tipa tipa. Koun la toti, si ou vle wè bonn fas la vi. Ou vèb la di, ki va lantman. Mèm si se an reta arif si man. Mou kon nou pral di mbè di on fè. Vle pa vle, ma bon ti konsey. Sen kob. Nan ke pose, vò plis ke milyon. Nan ke sote. Mbo rezon, chéri. E pi tou. M pa bezwen anpil l'ajan pou nou marye, chéri. La nati bay la ouze, ak la ouze, ma bo an bel chen l'amou. Pour une surprise, ça sera une. Écoute, Betsabé. Mibel ne doit être au courant du cadeau que le jour du mariage. J'imagine déjà le drôle de tête qu'elle fera en voyant un tout petit paquet pour son cadeau de mariage. Et elle sera tombée de son haut en découvrant les clés d'une belle voiture à Hyundai tout-terrain 4x4. Formidable. Formidable. Es-tu souffrant, ma chère? Nicolène! Nicolène! Prends le téléphone. Madame est malade. Le docteur n'est pas disponible. Ça priste. Non! Lui marque ici, pas bon. Ah, comment ça va, docteur? Ça va, ça va. Mon cher, ma femme a un malaise. Sa respiration est irrégulière. Son cœur bat comme un tambour. Et d'après toi, qu'est-ce qui peut en être la cause? Sa tension?
de l'aspirine. Un comprimé 3 fois par jour. Ok, d'accord. Ok, je t'attends. Nicolène, prends un comprimé d'aspirine sur le bureau. Communiquez. Ah, monsieur, madame Neuf, qu'on a foin. Donc, tu veux bon docteur. Médicament pour qu'on y fait dans la gagne, ou tu as senti moins gomme. Mais, il ne faut pas nier. Ou pas besoin panier. Donc, tu veux pas bien en pile médicament. Yon green suffit pour yon malade grave guéri. Jésus dit, lève-toi et marche. Donc, tu veux dire ici, guérison cache. Pour d'ailleurs. T'as besoin de non ça, Steven. Ça va qu'il soit. Plus supporter avec un autre te partager. D'ailleurs, demain tu te maries. Il a de l'argent, il est joli. Il a toutes les qualités. Pas mon grand défaut. Tu nous fous la paix avec ta sale chanson? J'imagine un grand cadeau dans un petit paquet, papy. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ouvre, ouvre. Wow! Une voiture? De quelle marque, papy? La marque. Ça alors? Une Hyundai Santa Fe 4x4. Oh papy, tu as le cœur. Thank you.
plein de boulot. Mais belle, une lettre pour ton mari. Une lettre de Judith Noël. Je vais la lire. Tu n'en as pas le droit, mes belles. Avant tout, je suis sa future femme, non? Je la lis. Mesdemoiselles et messieurs, nous venons tout juste d'apprendre que la mariée a un problème de santé. La cérémonie est renvoyée à une date ultérieure. Nom de Dieu! Mes belles! Mes belles!
racine, mamie. Je n'ai jamais voulu être la mère d'un sale menteur. Et moi, menteur? Mais tu me parles avec désinvolture. Vous avez, Steven, appris votre médecine à la faculté d'aspirine? Comment, mes belles? Tu me tutoies plus? Mais pourquoi l'atmosphère est-elle si tendue? Tout le monde m'en veut. Peut-on voir votre diplôme, monsieur? C'est la valeur de la personne qui fait prime. Car il existe de bons médecins sans diplôme et des cancres avec plusieurs diplômes. Mes belles. Ne me touchez pas. Menteur. Moi, menteur. Tenez, tenez. Cher Steven, j'ai longtemps bu à contre-cœur la coupe de fiel jusqu'à la nuit. J'ai passé tout mon temps depuis que je t'ai quitté pour ce sec au revoir à ressasser ces tristes souvenirs qui ont entaché nos vies et à croire que j'avais raison de t'en vouloir. Toi qui es devenu au fil des jours ce macho, ce coureur de jupe que je ne pouvais plus supporter. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je viens te dire que le plus fort, c'est toi. Puisque malgré tout le mal que tu m'as fait, malgré ce désir de me venger qui m'embrasait, je n'arrivais pas à t'oublier. Et c'est pourquoi j'ai engagé tout frais payé, un espion pour épier tes moindres faits et gestes. Tu te demanderas comment ai-je pu y arriver. Figure-toi que le fiancé de la servante a fourni des renseignements précis sur ta présente vie. Aussi, je trouve que c'est assez. Arrête de jouer cette vilaine comédie. Cet acte infâme qui te conduit vers la bigamie ensevelira cet amour si fort qui nous a si longtemps unis. Je t'écris avant qu'il ne soit trop tard. Si jamais tu conserves un brin de cette flamme qui nous liait, je suis revenue du Canada avec nos deux enfants. Je suis à la même enseigne où je prenais refuge lors de nos petites disputes. Judith. Mais ce mensonge, tu l'avais extorqué de moi, mes belles. Ne te souviens-tu pas m'avoir donné, non sans vouloir, de suicider 2 secondes pour t'avouer ma profession? Si, je me le rappelle. Vous auriez dû me laisser mourir que de me mentir. Papi Polo, je... Où êtes-vous dehors? Menteur! Doc Steven Blo, mais ça que t'es ma peau. Y'a pas fait 3/8 pour faire Doc Steven Blo faire. Menteur, oui, je le suis. Je le suis à cause de vous. Vous qui êtes des matérialistes endurcis, qui ne parlez et respirez que pour le matériel. Le mal n'est pas inné en soi, vous savez. Il peut laisser s'apporter des exigences d'autrui. Oui, je pars. Je pars avec une goutte de miel dans mon fiel, puisque mentir pour sauver une vie est vérité de foi. Sortez! Menteur! Impossible de croire à cette vérité. Et pourtant, le vrai, c'est comme l'eau de ruisseau que l'on boit, sans même se soucier de sa pureté. La souffrance, le désespoir sont les mots les plus courants dans le dictionnaire de ma vie. Jamais une étoile de mon ciel ne l'avait. Je n'en peux plus. Je veux mourir. Promulguer sera mon cœur qui souffre sans raison. En voyant arriver le jour de son pardon. Ha 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 ha!
réponse qui sera décisive, Seigneur. Mon vieux cœur continuera à vivre pour mourir. S'il le faut, que l'éternel mon enfer sera sa demeure. Non. Sans savoir hélas où aller, après avoir longtemps pensé à celle que je pourrais aimer, j'ai vu brusquement ce matin celle qui me donnera la main. Oui, j'ai vu brusquement ce matin celle qui me donnerait la main. Mais voir posséder sont différents, même s'ils sont au même temps. Je l'ai vu et l'ai contemplé sans avoir droit de la toucher. Je l'ai vu et l'ai contemplé sans avoir droit de la toucher. À cause de tes rébuffades, j'ai ordonné à mon vieux cœur de ne plus battre pour toi. J'ai demandé à mes yeux de ne plus te regarder. J'ai fait obligeance à mes lèvres de ne plus te nommer et à mon nez de ne plus te piffer. Mais hélas, ils ne m'ont pas écouté. J'ai fini par remarquer que je suis prisonnier de ton flux, esclave de ta chaîne. Oh, mes belles, la lumière de tes yeux fait pâlir celle du jour. Il suffit de remuer tes lèvres pour que cesse la tempête et d'ouvrir tes yeux pour écouter la longue et triste nuit. Je veux, mes belles, je veux que tu redonnes un peu d'amour à mon cœur, car dans le gouffre où il gît, un simple regard suffit pour redonner dès là ce cœur pantelant. Je t'aime d'amour. Les invités attendent à l'église. Prends-moi sa place. Prends-moi, je t'en supplie. La profession viendra après. À des prochains, cabrite la chasse et lèche à boire de l'eau. Ça joue, c'est pas qui parle, c'est pas qui parle. Ma chère, on va faire vert. Le grand Mao a dit qu'on peut monter jusqu'au septième ciel pour baiser la lune, qu'on peut descendre jusqu'au septième océan pour prendre des tortues. Sur la terre, rien n'est impossible. Moi, je dis non, car il est impossible de voler ce que Dieu m'a laissé. Je t'aime fort de moi.
drôle facile.